vous ai présenté par leader Penzambe Nabangonyos Tutu, donc moi, Maria Noëlla Madinga. C'est avec un réel plaisir que je vous retrouve ce samedi pour pouvoir partager une heure de bonheur, d'information, de divertissement, mais aussi d'émotion et d'expression, parce qu'aujourd'hui, je reçois pour vous un grand artiste. Comme vous le savez, il y a peu, nous avons perdu un de nos gros artistes congolais, en la personne de King Kester et Mene Akwamambu. Mais il aurait fallu que celui-là lui tende la main, lui ouvre ses portes et lui prête son micro pour que le monde découvre le génie de cet autre artiste. C'est un grand, pas par son âge uniquement, mais aussi par la longue carrière musicale qui est sienne. Grand par sa manière de voir les choses, mais grand aussi, dans ce cas-là, pour son courage. Son courage, sa manière d'assumer les choses, mais aussi de supporter certaines épreuves auxquelles il est soumis, mais très peu désirables et vraiment pénibles pour un homme, un père des familles et surtout un homme public. Ce soir, sur ce plateau, je reçois pour votre plus grand plaisir l'homme pour lequel certains ont prié, on m'a dit ça comme ça, l'homme que vous m'avez demandé, la 100% star, Bakala Diakouba, Papa Wemba. Nkulu, bonsoir. Bonsoir Maria, Noëlla, Madinga. J'ai un de mes enfants aussi qui se prénomme Maria. Ah. Parce que ma mère s'appelait Marie. Ok. Alors, quand elle était née, j'ai souhaité l'appeler comme ça, mais en latin, quoi, Maria. Oui. Oui. Voilà. Alors papa, pour moi c'est un grand plaisir. Moi aussi, hein. De vous avoir sur ce plateau, ça fait. Ah oui, c'est depuis le début de cette année. Oui, c'est la première fois cette année. Ah oui. Justement, et on a beaucoup à se dire parce que papa a fait presque un trimestre sans passer à la télé, sans donner d'interview, et on est honoré de faire partie des premières personnes qui ont la chance de se voir accepter une interview. Sinon, vous allez bien? Ça va jusque là. Je pète un peu la forme. Ça se voit. Bien que je suis un peu... Je saute d'avion en avion comme ça, mais bon... les corps ont ses raisons, dont la raison ignore aussi, quoi. Mm-hmm. J'aurai 65 balais le mois prochain. Et comment? Que nous attendons l'anniversaire, comme d'habitude. Je suis encore un homme debout avec le rein solide, quoi. Je tiens encore, quoi. Ça se voit. Rein solide, mais aussi cœur solide. Cœur solide parce que bon, on est parents, on est responsables, on est homme public. Dans la vie, nous n'avons que deux choses à la fois, quoi. Mm-hmm. C'est le bien et le mal. Oui. On n'est pas toujours bon, on n'est pas toujours mal. C'est ça qui fait la force même de la vie, quoi. Mm-hmm. Moi, je me maintiens à ces deux étapes, quoi. Aujourd'hui, on est samedi, donc là, oui. Demain, ça sera dimanche. Mm-hmm. Donc, les jours ne se ressemblent pas, quoi. Mm-hmm. Et la vie continue. Je n'ai pas dit bravo, hein. Non, ça, je n'ai pas fait, quoi. Je ne pourrai jamais le faire. Mm-hmm. Parce que je sais que mon jour, mon heure, mon année viendra aussi, quoi. Mm-hmm. Viendra aussi un jour, je quitterai. Mais ça sera seulement la séparation. Mm-hmm. La séparation, là, quoi. Mais... la vraie séparation sera le jour du jugement. C'est là où tout le monde se saura. Parce que tous sommes sur la ligne de départ. Mm-hmm. Personne n'a encore vu arriver à la ligne d'arrivée, quoi. Mm-hmm. Et donc, c'est là où l'homme s'est défini. C'est là où l'homme dit que la vie est compliquée, difficile, mais pas facile du tout, quoi. Pas difficile non plus aussi. J'ai trop parlé, je crois. Non, pas du tout. En fait, Papa Wemba, ceux qui vous connaissent savent que vous êtes un homme très chaleureux, vraiment jovial. Et pourtant, il y a peu, moi j'ai découvert un morceau musical qui lui a dit tout à fait le contraire. Papa Wemba était un homme blessé, un peu même meurtri par certains actes et certaines accusations. Mais c'est un homme qui, tout simplement, a refoulé certains sentiments qu'il fallait exprimer parce que tellement c'en était trop et que tu avais mal. Je me suis défoulé. J'ai laissé parler mon cœur, quoi. Même quand Jésus était né, tout le monde a su où il était né, quoi. Mm-hmm. Alors, bien que son histoire a démarré dans la trentaine, mais on savait où il était né, quoi.
Personne n'a fait allusion à ça. J'étais mal dans moi. J'étais vraiment très mal dans moi. Et on m'a accusé à de plusieurs choses à la fois. À de plusieurs choses à la fois, quoi. Or, ceux qui me connaissent, c'est vrai, chacun de nous a ses défauts. Mm-hmm. Mais ce ne sont pas les défauts d'un chacun de nous qui font de lui un homme, quoi. Non. J'ai dit même, je suis allé très loin dans la maternité de Viva. Je n'ai pas serré mes jambes. Je les ai écartées, grandement écartées pour que... Naisse ce génie. Naisse ce génie, quoi. Mm-hmm. Et ce qui est plus choquant dans le morceau, c'est que je me dis, après la mort d'Al Pacino, tu as accordé beaucoup d'interviews, mais on te sentait, on va dire que tu te retenais, mais je crois que tu t'es trop retenu parce que là, dans ce morceau, tu as pleuré. Il fallait me libérer, quoi. Je devais me libérer parce que j'étais coincé dans moi-même, quoi. Je m'étais retiré dans moi-même, quoi. Le jour de funérailles, je suis vu comme tout le monde à la télévision. Je me suis dit, bon Dieu, qu'est-ce que je fais de mal? Qu'est-ce que je fais de mal? J'avais une seule personne qui est venue me soutenir, c'était ma femme. Mm-hmm. Ma femme est venue, elle m'a soutenu. Et le linge que j'avais en moi était tout trempé de larmes, quoi. Mm-hmm. Ça, j'ai dit clairement, hein, je ne mâche pas mes mots, quoi. J'ai dit vraiment clairement, quoi. Et c'est vrai que c'est séparé avec quelqu'un. Qu'on a connu, c'est séparé avec quelqu'un qu'on a eu à aimer, c'est séparé avec quelqu'un qu'on a eu longuement travaillé ensemble. Lui et moi, nous n'avons jamais eu de bras de fer comme ça, il n'y a jamais eu ça, quoi. Mais l'homme de la rue a récupéré cette histoire, il en a fait une histoire véridique, et j'étais mal. J'ai même dû former mon portable pendant 3 jours. Mm-hmm. Tout 80 personnes qui m'appelaient uniquement pour m'injurier. Mm-hmm. Pour m'injurier et me dire des mots que je ne supportais pas, quoi. Mm-hmm. J'ai dû fermer mon portable au fond de moi. Mais je me savais blessé, quoi. Je me savais blessé parce qu'il n'y avait aucune autorité qui s'est... levée pour défendre. Qui s'est levée pour défendre. Mm-hmm. Dire arrêtez tout ça. Nous sommes en temps, à un moment de deuil, arrêtez tout ça. Arrêtez tout ça parce que cet illustre disparu, nous savons où, qui il est. Et moi-même, je ne savais aussi qui il était. Qui il était. Je ne peux pas, moi, brandir ma tête comme ça pour dire que voilà, je suis tout seul à former Viva la Musica. Bien sûr, au départ, il y avait eu une seule personne, c'est moi. Mais tous les autres qui sont venus, ils ont apporté les leurs. Ils ont apporté une pierre à l'édifice de ce grand groupe Viva la Musica. Et pour moi, c'est ce villageois-là qui était parti. C'est ce villageois-là que jusque-là, le village Molokai n'a pas encore dit. N'a pas encore pleuré. N'a pas encore c'est-à-dire pleuré. C'est-à-dire, Oboti Mwana, Mwana qui papa écarté dans ma tanga. Je veux bien, parce qu'on reçoit des textos des gens qui veulent que ça se dise... vraiment en lingala, parce que la manipulation s'est faite en lingala. Je pense qu'il faudrait que nous parlions les langages que la majorité parle pour que tout le monde comprenne. Ce n'est pas Tata Malongi qui me contredirait. Papa Wemba, est-ce que ma relation Nayo, Naba Media, ou diffusé qui, ma message à modèle, ou Nana, Bato, Babenga Kyo, pour n'en pas finir. Est-ce qu'elle dit ma lame, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que Wemba, après avoir Wemba, Wana a l'imbici? Je crois qu'après avoir accueilli ma Mariano et la Madinga, mon cœur s'est libéré. Mon cœur est zongé la place Nango, quoi. Parce que j'en avais là. J'en avais vraiment là, quoi. C'est quoi, tout est cueilli. Tout est cueilli parce que je me suis exprimé. Je me suis exprimé librement. Je me suis exprimé dans mon thème. Certaines personnes disent que non. C'est vraiment mon cœur qui a. C'est vraiment que je suis allé au studio très tard la nuit. Il faisait 3h du matin. Il faisait 3h du matin. Je suis sorti de là, il faisait 7h du matin. Parce que privé de deuil. Non. C'est pour m'exprimer. C'est pour... Je sais pas. Je sais pas. Ça, c'est... à la fois, c'est l'artiste... C'est le chanteur. C'est l'homme. Le plus beau souvenir que Wemba Azanangopona est mené à comment? En fait, il est venu
au village Molokai. Il s'est installé. Il est tombé amoureux du village Molokai. Il a mis son empreinte. Il a mis son empreinte, quoi. Nous l'avons accueilli à bras ouverts pendant 2 ans durant dans le village Molokai. Tout ce que je mangeais, il mangeait aussi. Tout ce que ma femme préparait, il mangeait aussi. C'est pourquoi je dis... C'était la famille. C'est la famille. C'est la famille pour moi. C'était la famille pour moi. Et je, c'est vrai que tu sais pas avec quelqu'un qui était avec toi quand il est parti. C'était pas son choix. C'était pas son choix. Je le dirais aujourd'hui clairement et haut. C'était Verkis Kiamwanga na Mateta. C'était pauvre Luambo Makiadi. C'était le pauvre Rochero Tabouley. C'était le pauvre Denewade. C'était le pauvre Ilo Pablo. Tu sais ce qu'il m'a dit, tout ça, ce qu'il y a, est venu me le dire tout ça après. C'est le Seigneur Tabouley qui est venu me dévoiler tout ça. Il m'a dit, petit, nous, tes aînés, tout ça, qu'on bête au bouton rouge. Langa, ça, nous sommes tous là. Et Victor et les, ils sont, c'est nous. De tout ça là. C'était pas la volonté de King Kessel Aménéa. C'est vrai, il est parti. Mais poussé par. Poussé par, parce que bon, lui a miroité de beaucoup de choses. Quoi, de beaucoup de choses. C'est tout à fait normal. C'est là où peut-être où il a trouvé son bonheur. Ce n'est pas à moi. Nous sommes chrétiens, 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 nous sommes chrétiens. Je n'avais pas cette force-là. Il y a quoi interdire en vol. Je n'ai pas cette force-là. Tout le monde, on attendait l'artiste. Afimiko, Mwana Yawa, oh Mwana Yasha Majesté. Afimiko, Salama Yale, Nalavi Yale Loyo. Afimiko. Tout ça, ça. Oh, le chanteur. Et ce n'est pas la première fois que papa et Mbaba accusé la maman. Grave, des mois, il y a eu la base, il y a eu la moto. Ça, c'est fort, ça. Ça, c'est fort. C'est parce que j'ai un défaut de ne pas. Au Tilibaya, on appelle le Tilibaya. Mon défaut, il y a eu l'amour. Donc, ma bien, moi, il y a eu quoi. Ce n'est que par après. Que je me dis, mais pourquoi tu ne veux pas dire? C'est quoi? Yo, au bout de moi, es-tu capable? Yo, au bout de moi, non, sous mon corps. La position ni dépendant au robot, mais la moi, non, yo, yo, mon corps. Même le bon Dieu y voit. Même le bon Dieu y voit. Et même des voisins aussi y voient. Mais on m'accuse toujours de trucs. C'est n'est que par après que je me pose des questions. Même si c'est un truc de, excusez-moi le terme de cul, mais c'est pas ça. Ça ne peut pas tuer un homme aussi. La faiblesse dans chacun de nous, c'est vrai que ça peut ramener à des situations un peu compliquées dans la vie, un peu compliquées quoi. Mais ce n'est pas vraiment ça quoi. Ce n'est pas ça que je fais moi. Ce n'est pas ça que je fais. Non, non. Et en plus de ça, je ne suis pas le premier. En plus de ça, je ne suis pas le dernier. Des accusations gratuites? On laisse accumuler mieux. Motona Moto Azwa Oyo Ndenge, Ayokeli, Ndenge, Andimeli, Évangile Selon. Oya Tindiango. Évangile Selon, Oya Tindiango, quoi. Mais à mon fort intérieur. Je ne peux pas prendre Dieu en témoin, mais Dieu m'entend parler. Et publiquement à la télévision aujourd'hui. Ce n'est pas moi. Je ne suis pas. Non, non, je laisse. Parce que j'irai très loin à raconter des histoires que je n'ai pas envie de raconter. Je l'ai reçu 2 mois avant sa mort. Et c'est un homme qui a dit beaucoup de bien sur Yo, notamment. Et lorsqu'à Koufi, je faisais partie des gens qui étaient choqués que. Ou un analyste va te barrer, il est choqué. Je me suis dit, mais comment est-ce que. Et voilà, la cause de rolling en ma bibou et ma casse. Et on est poussé dans la vie. Il fait un aïe en papa. Il est en bas, il est juste. Tous yeux à peu près, version naïo, c'est-à-dire mon kili, c'est pelé cambolandé, papa n'a moins en aïe. Version résumée, la banza, il y a moins en aïe de retenir.
Mais si quoi, n'était ça la mimba la mingi. Précaution ni papa yon baouzo mbalasima. Parce que moi je pense que finalement, il faudrait que pour TV comme libre dans mon tonio, soit à tenir propos à ces pays, à vous rappeler vous prouver un mot. Bon été. Décision ni ni papa yon bazui, oh désormais, ce que mon tonio qui gorge les os soit à ces pays. Parce que c'est vrai que cette fois-ci, Esther yon mouka louba qui a mot, n'a émission un problème qui dit après. Ou t'as la malade. Pourtant, tout le monde sait que si on est malade, à ce coup de fil, il y a proche de l'immunité, il est normal qu'il y a silica, à l'oba, au l'oba, ils arrivent sous l'effet de la colère. Mais tant que je suis quelques années après, tant que je suis là, 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 je mais papa, je suis en tant que moto. À ce que je comprends, on se reproche de l'oroté, ils ont pure invention. Mais dans le cadre que pure invention continuité, parce que je te dis, au cas où il y a évité, ils ont un bateau, ils ont été là où ils ont été victimes, il y a une ethnie moussoussou, juste parce que ils ont été mis à la malle cause et il faut te corriger. Et ces gens, ils ont eu réparation pour que tu réparer ma rambango à Zaté. Ils ont été là où ils ont été mis à la malle cause, ils ont été mis à la version où ils ont été mis à la malle cause, ils ont été mis à je suis désolé. Je suis désolé de tout ce qui s'était passé. Oh, il est kaki, non. Oh, tout est salama qui ouah, non. Je crois que ngata na banda qui vit la musique, na tchaki mondeloté pour la lobaké voilà. Yoza Mukongo, yoza Musakata, yoza Munyanga, yoza le lokele. Na gogo zoabi no te non. Vive la musique pour moi. Izala ki, izali etanda ya batunyosto. Et d'ailleurs, ce que tu as dit, ma proche, tu as vu la musique. À part que tu as deux, trois jours, tu as vu la musique, Jean Gomer, tu as vu la musique. Il y a un porte-parole. Il y a un accident qui a été fait. Il y a un convalescent. Vraiment, il n'y a pas de guérison à toi, Jean Gomer. Bon, rétablissement. Dans. Précaution n'a pas de cause. Il n'y a pas de cause. Kennedy contre mur, quoi. Pourquoi? Parce que, quoi. Bon, moi, je sais pas qu'est-ce que. Peut-être je peux. Dans le cas où comme peine la rose à la paix, l'effort, il y a voulu battre, comme voilà, ngaï, non. J'ai la chance que Dieu m'a donné un don, une voix, dans ça pour travailler jusqu'à l'élo. Et jusqu'à j'ai dit que le mois prochain, dans un coup, que ça a 65 ans, que je suis toujours un homme debout. Et c'est ça peut-être quelque part qui crée aussi la jalousie des autres. Si je peux m'exprimer comme ça. Parce que c'est vrai que la vie, c'est comme ça. Tu dois travailler ce que Dieu a mis en toi. Et c'est ce que moi, j'ai toujours fait. C'est ce que moi, j'ai toujours fait. Toi, tu n'étais pas encore né. L'air, je suis petit aussi. On a 61, 62, je ne me prétends pas dire que voilà, je suis parmi, je suis le meilleur chanteur de tous, non. Dans un meilleur chanteur de tous, c'était quoi. Mais je suis parmi ceux-là qui défendent instrument la bango. Et puis je suis celui-là aussi peut-être qui défend encore mieux, mon art. Merci papa, Nabanza, pour vous avoir tant mérité la douceur, à comprendre que
aux olobélons avec beaucoup d'émotion. Les textos nous pleuvent de partout. Papa Wemba est toujours avec nous. Batoualobi, papa, vraiment. Oh, c'est ma femme, non, Bazokoma. Bah, et puis, Bazokoma, les contraires, Bazali. Mais les gens ont besoin que papa s'exprime. Parce que Makambo et les Kani, il y a des gens qui nous ont écrit, Balobi, papa Wemba, sera le bébé, il est Kambouté. Trop qu'à moi. Parce que. Et ça, il faut que tu aies un peu. Et puis, ma grand-papa a toujours compris ma lamenté. Elle est claire, elle est claire, pour papa a toujours compris ma lamenté. Même Jésus aussi, il parlait en parabole. Il parlait en parabole, hein, ce que. Comprendre, on comprend. Ce qu'on comprend était. On comprend. Nakoza la juge est parti à Yangaï Mokote. Chacun de nous a une mission au Yonzambe à Pesaye ici. Nous avons une mission vraiment quoi. Et j'ai commencé à parler de Jean Gomer ici. J'ai parlé na Viva la Musica. Je crois que ce que tu as dit très bien, Viva la Musica, jusque là, Batu Oyo, ba musicien Oyo, Bazananga Mingi, mais ce sont des gens de Kikwete. Entre autres, Batabandundu. Ce que tu as dit, Redia Missi, tu as dit Lujo Kwepa, tu as dit Kito Dembela, tu as dit Stino Mubi, tu as dit Joli Mubiala, parce que Joli Mubiala, en fait, c'est Papa Mubiala, il est mon toi, il est joli, il est joli, il vive à la musique. Et il est là, dans un entourage, dans un toujours un abattement de nous. Bon, je me dis, et en plus de ça, je suis marié. Mon yakali mousso avec le pape, mon caramé. Maman Rose. Ben oui. Donc, si j'ai. En tout cas, dans la situation où il y a les cas qui n'ont que tout pour nous entre les batetés, là, moi, je me retourne pour dire la faute, peut-être. Donc, il y a qu'on pointe du doigt la police, donc il y a qu'on pointe du doigt. Peut-être la politique, parce que c'est la politique qui devait défendre tout ça. Ou alors autorité familiale, Moro Abimalobi. Non, 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 arrêtez tout ce que vous êtes en train de raconter là. Nous nous sommes encore pendant le deuil. Vous êtes là, nous Makambo ici, là, bon, peut-être Oya Ota, la Makambo, la Nassima, et tout, et tout, et tout, et tout, quoi. Mais bon, pendant tous ces moments-là. Il va salir mémoire à moi, oui. Ouais, ouais, ouais. Donc personne ne s'était levé pour calmer le jeu, quoi, pour calmer le jeu. Mais, toujours, je reviens pour dire que paix à son âme, vraiment paix à son âme, quoi, paix à son âme, parce qu'il avait beaucoup souffert. Il avait beaucoup souffert de sa maladie. Totika, Kotobola, chef à Kombonaye, quoi, c'est mieux à se reposer en paix au Yisika Azali, quoi. Vraiment se reposer en paix. Mémoire na yezala, yezala vraiment en paix, quoi. Mm-hmm. Je réclame et je dis ça. Merci papa. La banza, c'est sur cette phrase qu'on va clore ce chapitre Kinkester et Menea. Il y a peu, j'ai reçu moi la Nayo Joe le Noir. Et c'est son papa la banza dans un studio. Maître d'école. Oh oui, maître d'école. Maître d'école, il verra le jour le mois prochain, le 20 jours. Ça fait 2 ans que je suis là-dessus, quoi. Mm-hmm. Ça fait 2 ans que je saute de studio en studio, Johannesburg, Kinshasa, Paris. Et vraiment, ça fait 2 ans. Et c'est en mangeant que l'appétit vient. Je m'étais dit de me limiter à 13 titres. Là, j'en ai déjà 24. Hey, double papa. CD. Et j'ai. Donc, Betika Kabarumba. Betika Kabarumba na Barumba. Et d'ailleurs, les titres ont dit long. Maître d'école, Rumba na Rumba. Et notre père World, les gars. Non. Le World, c'est un sérieux problème parce qu'on n'a jamais eu de distributeur. Okay. Donc, ils ont toujours. Déjà enregistré. Tout aussi, enregistré. Hein. J'ai même repris quelques titres. Oh, na salakikuna, na yé nango, et pas il me pour que bon, quand même, ils avaient dit, on a salakifo, batouba, manako yo, kakango, et tout, et tout. Mais, na se karte nanga, na rumba, oh, nengi tu binaka, awate. Na se karte vraiment nangote, quoi. Et j'ai dit, c'est avec cet album-là que j'ai envie de revenir sur la scène internationale. Rumba, nengi tu binaka, kakaka, awa, na ma dédicace, na ma nini tout. Et j'ai invité de voir
Oyo, oh, mon thème n'a pas été sépé là, n'a quoi. Notamment. Jossar Yokalongo. Oh. Qui n'a jamais fait. L'insaisissable, le voyageur, mon pépé. Qui n'a jamais fait avec moi dans Vive à la Musique, c'est une grande première. Bah, le Mosso, pendant l'ongoa. Ah, l'ongoa, pendant la. Na zaiko langa langa aye koye mana viva la musique qui est bon particulièrement ko ya zaiko aussi. Oui. Et puis j'ai appelé Otopamba, Jimmy Piana. Papa chéri. Papa chéri qui est venu vraiment avec son côté professionnel. Et il s'est payé son billet tout seul. Il est venu jusqu'à Paris. Ah on bon? A passé toute la nuit au studio. Il a chanté et tout. Et Barbara Kanam qui a vraiment tracé sa voix d'une façon incroyable. C'est comme. C'est comme si c'était sa propre chanson à elle, quoi. Mm-hmm. Écrite sur mesure pour elle. Vraiment très bien, quoi. Et puis, j'ai rencontré aussi une fille à Paris, là-bas, qui est des sujets maliens, et Nana Kouyaté, qui est la fille de Fodé Kouyaté. Ouais, de Fodé Kouyaté. Elle aussi, elle a partagé une chanson avec moi, quoi. Et avec quelques requins à Paris, donc, bah, Camerounais, il y a des Cubains, il y a des Brésiliens dedans. C'est vraiment un album très métis. Ouais. Mais tout ce qui est tempo, kaka ya rumba. Tout ce qui est un tempo, ya rumba. Quoi. Et ici, seules les voix viennent d'ailleurs. Oui. Et ici, là, j'ai dit bravo à cette équipe qui vraiment jour et nuit a travaillé avec moi, dont Jojo Lina avec son frère Jesse Chituka et aussi mon conseiller artistique qui est Tata Malongi Senalu. Tata Malongi Senalu. On passait deux heures au studio rien que pour travailler quoi. Mm-hmm. On a pris du plaisir, on a plus vraiment il y a eu des moments des situations un peu coincées comme ça mais on s'en sortait toujours. Je te dévoile déjà la deuxième partie de cette émission, il y a un artiste Jos Dina qui sera juste après vous, sous cette chaise. Et il souhaite aussi chanter avec papa. Et il nous l'a annoncé. Ah bah oui, bah, c'est pas un problème. Papa Wemba est l'un des rares artistes de sa génération qui très facilement aime collaborer avec les jeunes. Quel est ton secret? Est-ce qu'ils viennent si nombreux vers vous? Il y a des gens qui disent que JB c'est un gars hyper difficile en plein de choses. Mais lorsque tu dis JB c'est payé son billet, c'est clair, c'est pas un garçon radin, ça on comprend. Pour venir chanter, on sent que... C'est vrai qu'il a toujours aimé ta voix, il l'a toujours dit, mais se déplacer pour honorer un artiste résulte aussi de l'amour. Pourquoi les jeunes vous aiment autant? Pourquoi vos jeunes frères et sœurs vous aiment autant? Je crois que je suis leur modèle. Je suis ce qu'ils ont toujours rêvé. C'est comme moi, je rêvais des taboulés. Mm-hmm. Et quand j'avais exaucé mon vœu, j'étais comblé, j'étais heureux comme un gamin. Et c'est tout à fait normal quoi, pour eux, quoi, parce qu'ils m'ont connu, ils étaient encore là. Et c'est pourquoi je me dis quoi, papa, on va de génération en génération. On dit lélé. Non, mais dans tout ça, est-ce que vos différentes collaborations avec ces jeunes rafraîchissent aussi en même temps votre manière de lire et d'exécuter la musique? C'est tout à fait normal. Tu écouteras maître d'école. Mm-hmm. Tu écouteras selon moi une autre touche, quoi. Une autre touche musicale. C'est pourquoi je n'ai pas voulu inviter tous les musiciens de Vive à la Musique à venir travailler avec moi. Je partais la nuit à l'heure reçue. On partait la nuit avec Senado travailler, jusque très tard le matin, quoi. Que eux ne savent pas. Ce n'est pas une exclusion dont souffre le groupe, parce que ces jeunes ont aussi besoin de bénéficier de leur mentor que vous êtes. Tu écouteras, ici, ils sont venus. Je ne les ai pas exclus de bout en bout, non, jamais. Ils sont là. Ils ont aussi apporté le leur. Mm-hmm. Ils ont aussi apporté le leur. Ça parlait du caporal, Joe Lenoir. Mm-hmm. Tu l'écouteras en duo avec moi. Tu l'écouteras en duo. Ils nous en ont parlé, nous en avons déjà l'eau à la bouche. On attend. Mais vraiment, papa, pour moi, ce fut un plaisir de vous avoir comme invité ce soir. Je sais qu'il y a ces fameux albums, ces sublimes albums, d'après ceux qui en ont entendu un peu, qui arrivent, que nous attendons. Mais renouer avec la scène internationale aujourd'hui est peut-être mission difficile parce qu'il y a beaucoup, on va dire, la musique congolaise, bien que Patounion soit Babina en Abangwango, mais c'est une musique à 60% en tout cas, et c'est la communautaire. Renouer avec la scène internationale avec une rumba toute rumba et ça sera facile aujourd'hui parce qu'il y a artiste Obaye Sika ou Bamimpe touche Nabango ou les deux à pour convaincre
Oui, ça forcément la rumba telle que Bino Gosala qui a monté. Moi, je dis que c'est un défi perso, c'est un défi personnel. Et Madinga, je te dis aujourd'hui, retiens la date aujourd'hui, j'y arriverai. J'y arriverai avec cette rumba-là, avec cette rumba-là sur la scène internationale, qu'on le veuille ou pas. Parce que je suis un grand parmi les grands. Merci Papa Wemba. De toute façon, Bina César et vous, Ratoyo Kate, donc, trop bien, c'est bien un rumba au casé. Mais Papa, merci beaucoup. Donc, le mois prochain, le 20 juin, sortie mondiale de maître d'école. Sauf imprévu. Non, pas sauf imprévu. Il sortira le 20 juin. Le 20 juin, c'est Bongo. Ah oui. En tout cas, merci Papa d'avoir. Ils sont nombreux à nous avoir écrit, beaucoup qui savaient que Papa Wemba serait notre invité. Bonsoir à Roger Ndonga, à Profane Tontolo, Serge Kiamba et Jean-Luc Chunza, Info 0043, et Maître Cicéron Paca, Maître et Honorable Alain Makana. Bref, vous êtes nombreux. Et merci au prophète Number One à Luanda ainsi qu'à Guimas Business qui attendait cette intervention de l'artiste Papa Wemba, président de Viva la Musica. Papa Wemba, merci. Mais là, c'est la capilla, il y a blessé. Douleur, on a monté, on a préféré l'aller là pour battre. Non, qui baloma, balame, un crocodile. Moutois a mordu, la sangoya liwa. Asal hémorragie à Essengo, Atikali Kaka no Mawamu. Bisi, ce qui ne va pas cher et bendier, les alités, maïnde et trahirier. Kanda et balo, bato baya bimbo.